Ok, on est de retour donc avec Motorsport Manager pour le troisième circuit de la saison. Avec cette écurie Mad Racing. Pour l'instant fait mieux mais fait pas encore terrible. On va se diriger vers le Grand Prix de Milan. Alors ce week-end n'a pas été franchement idéal de notre point de vue, gnagnin, ils ont beaucoup de boulot pour réparer la voiture. Pourriez-vous répondre à une question pour Central Sport Network? Bien sûr. Alors régler pour la vitesse max, effectivement, si c'est calqué sur la réalité, c'est un des circuits les plus rapides, avec la plus grande pointe de vitesse. Alors vous avez tenté un rapide arrêt au stand pour Gomez, voilà, pendant la dernière course, mais finalement ce fut une erreur. Propres supérieurs ont critiqué ce choix, certifiant que les paris n'ont pas leur place dans le sport automobile. Alors, on va pas leur dire qu'on était en train de discuter, qu'on n'a pas suivi la stratégie jusqu'au bout parce qu'on faisait autre chose. Sinon évidemment ça va mal se passer. Il fallait qu'on essaie, chaque seconde compte dans ce sport. Ils ont raison, j'aurais dû faire plus attention. Et on peut aussi rejeter la faute sur André, mais non, mais ils ont raison. Merci beaucoup, le. Alors, revue de l'équipe. Course spectaculaire s'achève par la victoire d'Arbeloa. Bien. C'est chaud, ici c'est chaud. Bon, c'est quoi? Il est fatigué. Erreur 1. Ah, c'est pas non plus. Il en a fait une, quoi. Le 0, mais on veut le virer, lui, je pense. Hein. Ah. Ah. Oui. Oui, on te veut. Oui. Voilà. Alors. Cri carrière. Bim. Voilà, on va les mettre au repos les autres. On craque de la thune encore, mais bon. Des belles lignes droites, exactement. Alors, il va falloir que je dise quand même, hein, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé un Grand Prix. Mais c'est vrai qu'à jouer à ce petit Motorsport Manager là, ça donne bien envie d'aller voir le prochain. Alors, nous avons terminé la réparation des deux voitures, d'accord. Donc, on va pouvoir peut-être s'en occuper un petit peu. On va pas créer de nouvelles pièces, on va simplement améliorer les pièces si possible. Fiabilité 70%. Pour l'instant, on s'en est sorti avec des 73%. On va laisser faire encore un petit peu, et puis après, on passera sur ces freins là. Histoire d'améliorer un peu nos voitures. Et pour l'instant, on a amélioré un moteur quand même. C'est pas mal. Même si pour le coup, ça s'est pas vu.
Anthony qui a hérité du moteur, mais on va peut-être le remettre à Gomez, hein, qui est quand même plus solide dans l'ensemble. Mais c'était chaud dans le tour 13 et ça a descendu les performances, ça c'est fort possible. Effectivement, là j'y étais plus à un moment et c'était au moment critique. Bon, vous allez me dire, tous les moments sont critiques dans une course, mais Capello approche de la fin de sa carrière, Fichtre. Alors, l'épreuve de Pékin dans la division 1 World vient de se terminer. Et c'est notre Allemand qui est en tête. Ici, il y a peut-être des gens qu'on va retrouver à un moment. Moreno, là, le petit Colombien avec 0 points. S'il finit pas chez nous à un moment, lui. Développement de pièces. Non, il faut pas se laisser tenter parce que là, on n'a plus d'argent. Même si les voitures en ont besoin. Très stable malgré... Malgré notre petit couac de la dernière course. On a Gérard, on pourrait peut-être... Il y a un moment, on pourrait pas débaucher Gérard, le petit français. Juste pour en avoir un dans l'écurie. Il nous faudra encore de l'argent pour ça. Alors, va-t-on ajouter une nouvelle course, Dubaï en 2017? Voilà, donc un vote à Global Motorsport Association, prévu mercredi, devra décider si la tournée... Donc voilà, on va devoir voter bientôt pour savoir si on rajoute un championnat, enfin une course ou pas. Je pense que oui, parce que... Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les écuries qui sont plus à même de gagner vont dire probablement non. Les écuries qui ont plus besoin de sous vont dire oui, parce qu'on peut rajouter une course de sponsor. Voilà comment ça se passe en gros. Maintenant, faut voir. C'est toujours bien d'avoir plus de courses, quoi. Alors, donc les 10 chefs d'écurie, on se réunit tous. La saison de vote est toujours fascinante, tout à fait. Pour l'instant, on n'a pas voté. Gruber sur le point de prendre sa retraite, mais décidément, que font ces gens? Je ne sais même pas qui ils sont. Mais... Et salut à toi Mission to Mars. Si, la course arrive, on va dessus à grands pas. Pas si mauvais, tes pilotes, ils s'améliorent. Alors, exactement, ils s'améliorent. C'est un peu l'état d'esprit de Mad Racing, on s'améliore. Voilà, on va pas chercher... truster les podiums pour l'instant, mais sur un malentendu, pourquoi pas. Alors, mission d'observation terminée. On est quand même à la recherche d'un nouveau pilote. Oh, il y a du mieux, là. Il y a du mieux, là, d'autant que 23 ans... Ça peut être pas mal. On va attendre de voir la dernière recherche. Qu'est-ce que ça donne? Doit répondre. Un nouveau vote a lieu donc au Global Motorsport Association. Cette fois, le vote concerne ajout de GP Dubaï. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour commencer le vote. Et donc voilà. Alors, on va consulter le changement de piste éventuellement. On ajouterait une course Dubaï au calendrier la saison prochaine. Oui ou non, en gros. Donc voilà, c'est tracé de piste A. Le circuit est hyper long. Il y a des parties visiblement techniques, une hyper grande ligne droite. Il est varié, hein. Il est très long. Moi ça me va, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on peut voter pour, voter contre et s'abstenir. Et nous avons pouvoir de vote, une voix. Pour l'instant, ils sont 5 indécis, 3 contre, 2 pour. Donc on pourrait tout à fait... gêner ce vote. Alors, cette règle sera bénéfique aux écuries pouvant obtenir un bon résultat au circuit de Dubaï.
c'est-à-dire Archer, ZRT Autosport, Dragon Race Team, eux on veut les fumer, Top 10 Racing. Cette règle ne sera pas bénéfique aux écuries pouvant connaître des difficultés au circuit de Dubaï. Et je vous laisse décider si on vote pour, si on vote contre. Je pense que pour nous ça va être un circuit très très compliqué, mais bon, on a peut-être quand même envie de voir Dubaï. Ça rallonge aussi la saison, ça veut dire plus de salaire. Et on a un pour Turtle. Pour l'instant, eh bien écoute, tu es le décisionnaire. Et donc 3 voix contre, 3 voix pour et un indécis. On va voir ce qui se passe. Et parce qu'il y a des chefs d'écurie qui ont des pouvoirs de vote supérieurs à 1. Ah, 5 votes pour, 3 votes contre. Impeccable, donc on ira à Dubaï la saison prochaine. Vote terminé, le changement est approuvé. Et donc on peut consulter les règles, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent, les règles du championnat, donc les règles de 2016. Session d'essai libre. Donc on peut changer toutes ces choses. Toutes ces choses ont plusieurs options, parfois pas que deux. Donc voilà, départ arrêté, la course commence en suivant départ arrêté sur la grille de départ. On pourrait voter donc pour avoir un départ en lancé. Je trouve ça absolument génial d'avoir pensé à tout ça, quoi. Voilà, ici on peut voter aussi pour changer le nombre de points, par exemple, passer des points plus Formule 1 avec juste les 10 premiers qui prennent des points ou quoi. Enfin... Allez, on continue d'avancer vers le Grand Prix de Milan. Désolé, j'avais pas compris qu'on votait nous, mais c'est pas grave, tu voteras la prochaine fois sans problème. Il y en aura d'autres. Je sais pas quand, mais il y en aura d'autres. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on puisse nous-mêmes déclencher le vote. Mais je sais pas comment on peut faire ça. A priori, on peut pas. Préparer un court rapport sur la prochaine course Milan. Donc, nombre de trous, 13. Voilà, ça va être une course... Il va y avoir un seul arrêt, je pense. Je vois pas faire deux arrêts ici. Peut-être qu'on essaiera avec Anthony de faire deux arrêts, mais... Un seul arrêt, ça paraît quand même plus intelligent. Longueur du tour, en revanche, c'est très long. Comparé à ce qu'on a croisé jusqu'à présent. Et voilà, c'est des tours à 20 secondes de plus que d'habitude. C'est assez abrasif, mais notre voiture est l'une des meilleures en ce qui concerne l'usure des pneus. Nous devrions donc être avantagés. Voilà une bonne nouvelle. Vol conduite et maniabilité. Je m'inquiète de plus en plus quant à notre manque d'investissement dans la maniabilité du véhicule. Un pôle conduite et maniabilité nous permettrait de faire un effort d'ensemble pour améliorer notre suspension. Je crois que cela donnerait l'occasion à nos pilotes de comprendre comment conduire avec plus de douceur. Il ne peut pas faire de mal. Tout à fait. Écoute, ça c'est encore un bâtiment qu'on ne va pas acheter parce que nous n'avons pas l'argent. Et deux courses en cours. Tondela et c'est Sarinen qui repasse devant. C'est l'homme en forme. Et ici, Mr. Fox. L'écurie Valbuena. Incroyable. Incroyable. Tous les fans de Valbuena là se réjouissent.
Les dilemmes. Argue. Que se passe-t-il? Avez-vous lu l'article publié par Uke SN? Il dit qu'un dodo serait plus apte que moi. D'accord, un dodo. Je veux dire, je ne comprends pas bien la métaphore, mais j'imagine que c'est censé être insultant. Qu'en pensez-vous? Ont-ils raison? Mais non. Prouve le contraire. Non, vous êtes splendide. Voilà, prouve le contraire. Dilemme résolu. Bon, faut pas qu'il le prenne mal non plus. C'est le moment de notre aperçu. Ici, on doit répondre. Je m'inquiète énormément du statut des finances de l'écurie. Ah. Je comprends pas pourquoi. On a encore 2 millions. On est large. Alors, si t'en prends d'autres, des pilotes, ils vont coûter plus cher, effectivement, Alexis, mais j'aimerais quand même... En remplacer un, j'aimerais remplacer Anthony avec une future pépite quoi, un jeune qu'on pourrait garder quelques années et qui progresserait du coup à moindre frais. Donc Sarah Thomas, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est pas mal. Sarah Thomas, 22 ans, voilà. Déteste mener. Donc j'ai plutôt une âme de pilote de chasse. J'ai besoin d'une cible en face de moi. Très bien. Goût pour la poursuite. Je ne vais pas les lâcher. Bah voilà. Très bien. Approcher le pilote. Intéressé. Ça va coûter cher, attention. Alors, statut, pilote numéro 2. Bon, on va pas commencer à... créer des embrouilles dans l'écurie. Combien on la paye par course? C'est terrible, je sais pas combien elle veut, moi. Si. En 40 000. Tiens. Pop. Voilà. Prime. 200 000. Et la prime podium, la prime podium de 60 000 balles. Ça fait vraiment radin, mais bon. Avec son niveau, elle a moyen de faire des podiums à peu près à toutes les courses, je pense. Maintenant, il faut que la voiture suive aussi, ça c'est pas gagné. Donc 16e ou mieux, 8e ou mieux. On pourrait se tenter ça, mais c'est pas garanti, quoi. Mais 500 000 balles, ça nous ferait du bien. Avec 75 000, on n'est pas à ça près. Est-ce qu'on peut en prendre deux? Non, on peut en prendre qu'un. On va pas installer de pièces. Et donc direction, la course, avec les essais déjà. On va essayer de régler la bagnole comme il faut. Italie, manche 3. Aligner la nouvelle. Alors on lui a proposé un contrat. Maintenant, faut qu'elle l'accepte. On va voir, mais sitôt qu'elle signe, c'est clair que il y en a un qui va jarter de l'écurie. Bon, après, vous vous souvenez, hein, ils nous ont prédit une place de 10e en championnat classement par équipe. Pour l'instant, on est 9e. Si on est au-dessus des prévisions, ça devrait nous aider aussi pour les futurs contrats.
les gens devraient être un peu plus enthousiastes, pardon, à l'idée de nous rejoindre. Mais voilà, elle sera meilleure que Anthony, hein, c'est clair. Même si c'est de peu pour l'instant, comme elle est plus jeune. Bon, alors. Commençons par le commencement. On va pousser la vitesse et la maniabilité, on va laisser. On va laisser peut-être là. On va voir ce qui se passe. Ici des portances. On va laisser au milieu, on va voir. En revanche la vitesse, il y a de la marge quand même, donc alors c'est vrai qu'on lâche beaucoup beaucoup d'argent, c'est clair qu'on se fait plaisir pour l'instant. Après, bon, c'est pas dit qu'elle accepte. Mais c'est vrai que niveau. Eh ben allez-y. Allez-y, allez-y. Ah ça y est, on a failli encore glander pendant des heures. Et pas faire ce qu'on nous demandait. On ne devrait pas perdre de temps sur les essais. Incline les ailerons pour la vitesse. Les incliner, d'accord, mais dans quel sens? Il va falloir les baisser, mais... Allez, on va voir ce qui se passe. On va les laisser donc faire ce tour-ci, qui est le tour de sortie. Un autre tour, et puis on les rappelle. Coller au sol, mais le problème c'est qu'ils ne disent pas de quel côté il faut placer le curseur pour justement baisser vers l'avant ou relever. Du coup, je comprends bien l'idée, il n'y a pas de souci avec ça, mais à réaliser, il va falloir d'abord trouver le côté vers lequel ils appellent baisser ou lever, quoi. Pour l'instant, meilleur tour à Bélois, évidemment, c'est un champion de la division. Alors, c'est le petit moment réalisation, hein, où on se permet de jouer avec la caméra. J'aurais beaucoup aimé une caméra complètement libre. Je sais pas si ça existe, il faudrait que je regarde. Pourquoi pas la laisser dans un virage ou quoi. Aïe, il y a ce problème d'arbres là. Pas besoin, il dit l'aéro est parfaite. Et bah écoute, on va voir si c'est très bien ou si c'est excellent. Si jamais c'est pas excellent, on essaiera quand même de justement comprendre de quel côté l'aileron peut être baissé. Et à ce moment-là, ça nous permettra de communiquer plus facilement aussi. Si tu me dis baisse l'aileron, je comprendrai que c'est à droite ou à gauche en fonction de ce qu'ils ont prévu. Alors, hop, on est reparti avec Gomez. Alors, déportance, il nous dit très bon.
Maniabilité bonne et équipe de la vitesse mauvaise. Donc. Bon. On va tester. Alors, très bon, ça veut dire que l'excellent est pas loin. Soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Si tu me dis de les aplatir, c'est plutôt de ce côté-là, quoi. Okay, on va faire ça, maniabilité maintenant. On peut faire quelque chose. On va l'envoyer comme ça, on va voir ce qui se passe. On va pas changer les pneus. Gauche aplatir, droite levée. Ouais, j'ai vu juste après en fait le petit angle ici et les angles ici. Effectivement. Oula. Donc ici sous le E, on est excellent à ce niveau-là. Maniabilité, la vitesse c'est moche. La vitesse c'est moche. Tiens. Maniabilité très bon. Est-ce que tu veux peut-être aller plus par là quoi. Allez, on va voir ce qui se passe. Suspense, même chose. On les laisse partir un tour de sortie. Puis, un tour tranquille. Et on les ramène. C'est Anthony qui part en premier. Pour l'instant, voilà, tour de sortie. Alors, l'équilibre est impeccable. Normalement, Gomez devrait pas tarder à nous parler aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bien meilleur, bien. Mais il y a beaucoup de mieux. Gomez établit un nouveau record sur son secteur numéro 1. Anthony, nouveau record sur son secteur numéro 2. Gomez, nouveau record sur le secteur numéro 2. Des records personnels, attention. Pas non plus les records de la piste. Regardez, c'est Abîme. 7ème. Septième et huitième. Ça c'est relativement ce qui s'est passé la dernière fois. Si tu gonfles plus les pneus, tu vas plus vite. Alors faut faire gaffe parce que les jauges, quand t'en bouges une, ça bouge aussi les autres dans l'autre sens. Et je sais pas si on va pouvoir trouver la perfection à chaque fois sur les. Alors je sais que c'est possible d'avoir les trois violets assez régulièrement. Mais ça dépend aussi des pièces, j'ai l'impression. Au stand, qu'on puisse faire la dernière sortie. Là. Voilà.
Donc Anthony, on renvoie tout de suite. Ils sont passés avec les autres pneus. Donc c'est pas idiot. Pas idiot de changer de pneu. Oh là là, excellent, excellent, très bon. Voilà, on peut peut-être tenter. Non, très bon, il faut... Est-ce qu'on se tenterait ça? On peut se tenter ça. Et on va utiliser ces pneus médiums au cas où... Au cas où il y ait besoin. Je vois que tout le monde a fait une séance avec ce genre de pneus. Allez, c'est parti. ...40% de chance de pluie à prendre en compte, exactement, tu as tout à fait raison. Envoyer, voilà, on va faire la même chose ici. Bon, les réglages ils sont pas dégueulasses là. On arrive à quelque chose de pas mal. Voilà, ça va être un peu pénible ça. Non, c'est bon. Ok, on va tenter ça, on va voir ce qui se passe. On va donc changer de pneu. Le médium. Alors on va se faire la fin de ces essais et puis évidemment la course. Et après on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On se fera d'autres petites après-midi Motorsport Manager ou des matinées aussi, pourquoi pas. Ça arrivera un peu en random, là j'ai pas de planning particulier à vous proposer. Mais d'ici la fin de la semaine, hein, c'est sûr qu'il y aura une autre session. C'est vrai que c'est un jeu auquel je joue pas souvent parce que c'est bien, voilà, justement comme on a fait là, de pouvoir y jouer une bonne grosse session à chaque fois, parce que sinon c'est un peu compliqué de se souvenir de tout ce qu'il y a en cours, etc. Bien joué les gars, parfait. Allez, fin des essais libres, on va voir ce que ça va donner au démarrage de la prochaine course. On a oublié d'augmenter la vitesse là. Mais bon, c'est quand même pas dégueulasse, hein, 7ème, 8ème. Pour des gros losers qu'on prédit 19ème et 20ème. Allez, donc 7ème et 8ème hein, pour cette séance d'essai. On est devant Jean-Pierre Gérard. Incroyable, si ça lui donne pas envie de nous rejoindre. Et Aurélie Dembélé aussi. Aurélie chez ZRT. Rien à voir avec Xerator.
Alors, c'est chouette de voir le succès de Mad Racing, bien mérité. Succès, voilà. On parle de succès, hein. 7ème et 8ème, on parle de succès. On en est là. Donc 8ème ou mieux, ça se tente, 500 000 balles, là ce serait vraiment bienvenu. Effectivement, on a besoin de cash. Allez, André Gomez, nos tendres, réglage de course. Pour l'instant, on n'a pas d'autre chose, mais il y aura à l'avenir un plus de trucs. Avec son expérience. Réglage de la voiture, bim. Donc on va éventuellement régler celle-ci. Est-ce qu'on a réussi à avoir le excellent? Non, on n'a pas eu. Ici très bon. Ici très bon. Attendez, on va regarder l'autre voiture. On est juste entre le L et le E, quoi. Attendez, est-ce qu'on se tente? Est-ce qu'on se tente ça? Ça peut être un peu violent, mais ça peut aussi payer si on tombe direct sur... Non, on va pas toucher à ça, on va faire ça. Alors attention. L'adhérence pour l'instant c'est bon. Donc on part là-dessus. Il y a 13 tours à faire, hein. Il va falloir un seul arrêt. Je crois que c'est des très longs tours. On fait 6 tours avec un plein. Ah. Compliqué ça. 6 tours avec un plein parce que la piste est très longue. Un dur. Tu veux qu'on mette un médium et un lisse? Que tu es en train de me dire. Tu veux les deux en pneu dur. Un dur qui fait les 13 tours. Donc on va partir sur une... Parce que là, de toute façon, elle est obligée de s'arrêter. Donc on va gagner du temps effectivement sur le changement de pneus, condition qu'elle les crame pas, ce qui pourrait quand même arriver. Ceux-là ils font quand même 9 à 11 tours. Hein. On va mettre un en pneu dur et l'autre évidemment pneu lisse. En revanche, ouais, voilà. Il l'a pas pris en compte. Alors attendez. On va mettre les pneus durs ici. Et... Donc on va être peut-être obligé de s'arrêter. Avec 6 tours, il pourra pas de toute façon faire les 13, il est obligé de s'arrêter une fois. Deux fois. Est-ce qu'on se tenterait pas encore le petit coup de genre on se fait 2 tours et puis on s'arrête tout de suite? Je pense qu'on va faire ça sans changement de pneu et ici on va faire 2 arrêts propres avec changement de pneu. La voiture c'était bon, non c'était pas bon, ils nous ont changé. Okay. Voilà, ça, c'était bon. Poids de pneu, donc ça c'est bon. Carburant 6 tours, donc l'idée c'est d'avoir un peu moins d'essence. On va s'arrêter au tour 5. Allez, c'est parti, 2 stratégies, 2 pilotes, 2 champions.
Exactement. On va avoir un premier arrêt de Gomez autour genre 2-3. Puis un deuxième arrêt et bien donc autour 8. Et il finira d'une traite. Alors que tous les autres devraient s'arrêter et bien je pense vers le tour 4-5. Ce qui sera le cas de notre camarade. De notre camarade, j'oublie son nom, Anthony, et puis ensuite, un deuxième arrêt vers le tour 10. On verra ce qui se passe, hein. Peut-être que je me trompe complètement, mais. Mais on va le tester comme ça. Allez, c'est parti. Anthony deuxième, Gomez cinquième pour l'instant, mais on sait que les départs, c'est pas trop notre truc. Premier parti loin devant, mais c'est pas grave. Non, non, non. Oh là là, il a perdu une place. Bon, mais mine de rien, ça se bat. Alors Gomez est parti 20e là, je sais pas ce qui s'est passé. Gomez, il est pas bon dans les pelotons. Et Anthony se bat, alors il est 10e. Peut-être qu'on devrait changer les stratégies, hein, pour mettre du dépassement. Mais ça va, voilà, il va falloir faire attention aux pneus. Alors attendez, on est tour 2. Il va s'agir de renvoyer donc très vite notre petit camarade avec le plein. Le plein, c'est 5 tours 67. C'est plus 6 tours. Allez, très rapide. On peut y passer que 6 secondes du coup. Il va falloir que les pneus tiennent, pardon, en revanche. Oh là là, mais je sais pas ce qui se passe, pourquoi on leur demande d'être agressifs et de dépasser, et ils perdent leur place sans arrêt. Et tant pis, on va arrêter de leur demander ça. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un bug. Il y a eu un bug. Oh, c'est terrible. C'est terrible. La vitesse max, ouais, c'est probablement ça qui nous fait grandement défaut. Et on est reparti avec Gomez. Maintenant, il va falloir surveiller, donc dans deux tours on va s'arrêter avec Anthony. Et Anthony se bat, il va gratter une petite place là quand même. Elle est loyale. Très bien. Même une deuxième. Elle va être dure à prendre la 16e, mais. Bon, est-ce qu'on a passé les stands là? Bon, c'est très très bien là. Anthony s'est battu et regardez ça. Il est en train d'aller remonter sur le 14e. Je sais pas, il faut pas leur mettre des passements et machin, sinon. Mais si on leur met ça au démarrage, ils perdent toute leur place. Est-ce qu'on rentre maintenant?
Allez, on va rentrer tout de suite. Et on va changer de pneu. Faire le plein de carburant. Rapide. Allez, c'est y part. Voilà, hop. Donc on devrait rentrer vers le tour 9 encore avec, avec Anthony. Peut-être moyen de faire les 4 derniers tours tranquille. Allez, Anthony a chuté mais c'est normal. On n'a pas été les seuls à rentrer à ce tour-ci. Le premier lui attend encore un tour visiblement. Arbeloa est où ? Il est là, il est sixième. Il est sixième, il s'est pas arrêté. Hein. Il attend le prochain tour, je pense. Allez, Gomez 19e. Et Gomez revient là, on l'a à l'écran. J'aimerais bien enlever ce classement aussi des fois, c'est possible. Oh, attendez, pardon. Le petit... Oui, parce qu'on peut tout à fait voir les autres pilotes aussi, mais ça nous intéresse pas trop. On a Gomez. Et Anthony 14e. Voilà, c'est ici que la stratégie commence à payer doucement. On reprend la place qu'on a perdue. Quoi. Ça paye doucement, ça paye pas encore vraiment. Allez, Gomez 18e. Tant qu'il fait, tu peux voir, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de... Alors nous, on voit que à 4 tours à l'avance. Hein. Attention, on n'est pas non plus... Mais pour l'instant, ça a l'air sec. L'adhérence est de mieux en mieux. Peut-être pouvoir passer à des pneus plus lisses. Le prochain arrêt, peut-être. On va voir parce que ça nous ferait perdre du temps aussi. Voilà, il va falloir rentrer au prochain tour avec... Un prochain tour ou tout de suite? On peut rentrer tout de suite avec Gomez. Gomez, il a ça pour l'instant. 4-6 tours, on rentre au tour 16. On va peut-être lui passer les autres. Qui sont quand même plus rapides. Avec un gros plein, donc 7 et 5, 12, on devrait terminer là. J'espère qu'on va terminer avec ça, j'ai un doute. C'est le point 66 là qui m'interroge. Bon, dans tous les cas, hein, faut y aller, on a perdu 8 secondes. Et maintenant on va se concentrer sur Anthony qui va devoir... Alors il a droit à 3 tours encore. Donc on va en faire 2. Il a des super temps, donc pas pour cette course apparemment. Je sais pas qu'est-ce qui fait que nos pneus rouges on les a pas ici alors qu'on les a ailleurs. André Gomez chute à la 20e place, c'est normal. Voilà, maintenant il s'arrête plus jusqu'à la fin. Je souhaitais que ce soit assez pour redépasser tout le monde. Un maximum de gens en tout cas. Allez, Anthony hein, essaye d'attaquer là.
tant qu'il a envie d'y aller. Vas-y, prends l'aspi un peu là. Reste pas sur le côté comme ça, rien faire. Donc pour restant. Allez, Anthony, là, c'est le moment de rentrer au stand. T'as intérêt à te mettre bien. On n'a pas besoin de changer de pneus. Ils sont encore bons. Encore très bon pour l'essence. L'essence, on va aller jusque là. On est quasiment, quasiment au remplissage, quoi. Et puis voilà. Oula, attention aux pneus. Attention aux pneus. Il va falloir les refroidir un peu. Alors, on peut peut-être les changer finalement. Peut-être pas. Je vais les préserver. Je vais les préserver. C'est ici, c'est ici. Ici, c'est bon. Allez, 5 secondes, on repart. 19. Et maintenant, on s'arrête plus jusqu'à la fin. Les pneus sont encore très très chauds. Allez, côté Gomez, 19e. Anthony, 18e. Ça va se jouer au prochain arrêt. Bon, là, on a fait tout ce qu'on a pu concentrer. On va voir ce qu'il en est au final. Change pas les pneus, ouais, t'as bien raison. Mais il faut les faire refroidir un peu quand même. On va passer un ou deux tours comme ça. Et les derniers, on repassera en plus agressif. Allez, Anthony a gratté une place déjà. C'est peut-être à ce tour-ci que ça va se jouer vraiment là. Et le premier entre au stand. Troisième. Allez, faut se dépêcher là. Tout le monde s'est arrêté, mais on n'a pas pu être assez rapide pour les dépasser. Si, peut-être, on a gratté quelques places quand même. 16, 15, 12, non, 13. Ok, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Côté Gomez, 19e, 18. Allez, il va y avoir d'autres arrêts encore. Prochain tour, il y a peut-être moyen de gratter encore 2-3 places, peut-être. Les pneus, ça a l'air bon, les pneus c'est bon, l'essence c'est bon, l'essence c'est bon. En principe, tout est bien géré là jusqu'à la fin. Sauf le moteur qui lâche. Évidemment. Ouais, moteur qui lâche alors que on a bien géré le reste. Bon, derrière c'est compliqué aussi visiblement pour... Le 14e. Bon, attention aux pneus aussi. Chaleur des pneus. Le 17e, 13e. Allez, Anthony qui se fait prendre là. Une nouvelle place. Aïe aïe aïe.
C'est dommage hein, parce que en vitesse pure, etc., les voitures, on a vu qu'elles. Oh là là, ça y est, il a cassé le moteur. Ah, terrible, terrible. On va pas abandonner, hein. On va aller chercher le point. Bon bah du coup Gomez a gagné une place. Il y a quasiment plus d'essence, quasiment plus de pneus non plus. Ah, quelle fin de course. Ah, là c'est les voitures. Ouais. Il n'y avait peut-être pas que les voitures, il y avait peut-être quelque chose à faire en s'arrêtant un tour plus tôt ou plus tard. Il faudrait y réfléchir un peu plus calmement. Là, il est en panne sèche, plus d'essence, voilà. Il nous faudrait un réservoir un tout petit peu plus gros parce qu'à chaque fois il nous manque un tour. Ah, les boules, 19e finalement et 20e, voilà. C'était plutôt minable. Et eh ben écoute, jusqu'à un certain point, c'était vraiment pas mal. Mais effectivement, ça se termine pas terrible. Et c'est Sabado, donc le Brésilien, qui remporte cette course devant Arbeloa. Il me semble. Ah la loose. Il va falloir effectivement travailler la fiabilité encore, mais on est en train de le faire, mais c'est vrai que c'est très lent. Très très lent, il nous faut... Ça va être la saison compliquée. Hein. La première, il faut mettre tout en place. Et a priori, c'est plutôt à la suivante qu'on pourra peut-être faire quelque chose. Quoi. Là, ça paraît compliqué. Pour l'instant, mais c'est pas terminé encore. Ils ont été rétrogradés. Deux places après la découverte d'une pièce non conforme. Bravo. Super les gars. Et c'est le français, donc Jean-Pierre Gérard, qui finalement remporte cette course après déclassement des deux autres. Mais ils auraient pu déclasser un peu plus quand même. Genre déclasser sur le podium, c'est pas vraiment du déclassement quoi. Et ouais, ici ça a été... Duré abandon, mais non, on n'a pas abandonné. On était jusqu'au bout. Ah là, terrible. Terrible, et là, évidemment, André Gomez qui perd sa place de 16e. Un dur week-end, ça y est, on est 10e. Les prédictions se gossent de nos résultats, là. Dragon Race Team China. Loin devant avec 12 points d'avance. Aïe aïe aïe. Il vous faut un meilleur pilote que André Gomez. Il nous faut tellement de choses. Bravo Jean-Pierre Gérard pour cette victoire méritée. Ce sera bientôt mon tour. Voilà. Les mecs se tonnent entre eux. Jean-Pierre Gérard. Eh bien plus pas mal comme activité dominicale. Voilà. Ah là là. Continuez. Salut à toi Voltas, bienvenue sur le live. Tu arrives au pire moment. 19e et 20e après un. Bon, on s'est battu hein, quand même, on a essayé voilà, des belles stratégies. Ça n'a pas fonctionné à la fin, mais ça a fonctionné jusqu'à presque la toute fin. Enfin, ça a fonctionné à notre échelle, hein, attention. C'est pas on était en tête sur les podiums en train de fanfaronner et de taunter Arbeloa. On était en train de gratter un milieu de tableau et potentiellement vers les places 10 quoi. Le management était presque parfait à un tour près, c'est ça. Exactement.
La voiture était presque parfaite aussi un tour près. Et le réservoir de carburant est presque parfait un tour près aussi. Finalement, ça s'est pas joué à grand chose. Je pense qu'à un tour près, on aurait pu être bénéficiaire du déclassement des deux premiers. Alors effectivement, il faudrait pas qu'on attaque dès le démarrage. Parce que bien, pour l'instant, nos pièces ne tiennent pas. mille balles en moins, et là c'est vrai qu'il n'y a pas de rentrée. Hein. Il y a eu ça, une petite rentrée de sponsor, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ok, bien voilà, on en a terminé de cet épisode. Donc le troisième circuit, troisième Grand Prix de cette première saison avec Mad Racing. Eh bien écoutez, vu l'heure, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet après-midi. On se retrouvera donc un peu plus tard dans la semaine pour continuer ces folles aventures. Dans tous les cas, pour ceux qui veulent, on se retrouve ce soir pour un autre live sur un autre jeu. Et demain matin, alors peut-être demain matin sur Motorsport, sinon sur Starbound, on verra un peu à l'humeur. Et puis voilà. Donc bah pour ceux qui seront là ce soir, je vous dis à tout à l'heure. Pour les autres, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à follow hein, si vous voulez suivre spécifiquement ce Motorsport Manager, voilà, pour avoir l'alerte à ce moment-là. Et puis voilà. Donc merci pour les vues, merci pour les pouces, merci pour votre présence aussi. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde.